C'est gagné. À tuer, c'est gagné. On n'est pas sans cœur. La famille de notre honorable perdant ne repart pas la main vide. La production va lui offrir une magnifique boîte de jeux. De tuer, c'est gagné pour s'amuser à la maison. En famille. Et ce n'est pas tout. En plus, il va avoir un bon pour une crémation gratuite. Mais attention, mesdames et messieurs, ce n'est pas tout. Notre partenaire presse va lui offrir en plus un abonnement à vie à la revue Suicide Mag. Suicide Mag, la revue de tous les accès. Ce mois-ci, édition spéciale 666, la noyade. Alors, on va voir sur place. Alors, madame, est-ce que vous êtes heureuse? Venez, venez, venez par ici. Merci, tu es, c'est gagné. L'équipe a été super. Je suis un petit peu déçue de la prestation de Polo, mais le mois prochain, je vous enverrai le petit. Mais c'est pas vrai. Mais quelle bonne nouvelle! Nous aurons le plaisir d'avoir la fils, le dernier fils de madame. Et si sur ce plateau, ben... Mais c'est fantastique! Merci, merci, merci beaucoup! Alors maintenant, on va essayer d'avoir quelques réactions de Richard à chaud. Alors Richard, vous êtes content, je suppose? Ouais, tu es, c'est gagné. C'est la balle. Merci à vous. Avez-vous déjà une petite idée de ce que vous allez faire avec l'argent? Mais je comprends, c'est l'émotion qui bat son plein. Mais vous aurez largement le temps d'y penser. Et oui, si vous aussi, vous voulez être heureux comme Richard, n'attendez plus. Téléphonez au numéro qui s'affiche au bas de votre écran et réservez votre place pour la paradis grâce à... Tu sais... Gagné. Nous avons ici notre splendide, notre ravissante. Vraiment, elle est fantastique. Caroline, elle a quelque chose de très intéressant à vous dire, n'est-ce pas Caroline? Oui, nous passons maintenant au jeu des téléspectateurs. Le grand gagnant de cette semaine qui gagne la cagnotte de 3 millions de centimes s'appelle Monsieur Chuck Van de Zand. Bravo à lui. Applaudissements. Et le lot de consolation, ce magnifique Aspi 3000 qui revient à... Monsieur Burst. Bravo à lui et à la semaine prochaine à Tu sais gagner. Encore perdu! Merde! Qu'est-ce que je vais faire avec un aspirateur, moi? Quelle merde! Tu perds tout ton pognon avec tes jeux bidons. Tu peux te mettre où je pense, c'est ton aspirateur. Viens me dire quand ici! Puan, sous l'arbre. Quoi? Allons, allons, Jacques, on se calme. Mais il me casse la couille. Chris, t'arrête, s'il te plaît. C'est la meilleure, ça dit. Tu peux partir. Je rentre. Mais non!
Allez, ne fais pas l'enfant. Montre-moi un peu. Dans quelques jours, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien, il n'y a plus rien. Oh, il faut excuser ton père. Il a une mauvaise passe pour l'instant. Une mauvaise passe, ça fait 10 ans qu'elle dure, hein, maman. T'es dur avec lui. Dur avec lui Tiens, je te porte un cadeau. Merci. C'est la réponse à toutes tes questions et tes problèmes. Allez, essaye de dormir. Hein. Demain, tu auras tout oublié. Je connais qu'une seule façon d'oublier. Fletcher Music, bonjour. Oui, monsieur Fletcher. Oui. Oui, je vous l'envoie tout de suite. Christiane! Oh, merde! Non, mais c'est pas possible. Moi, je l'ai pas fait exprès. Mais Christiane, mais tu te rends compte que tu as fait... Non, tu fais jamais exprès. Mais non, pas avec ta gueule, connasse. Non, mais tu te rends compte? 2000 balles! Mais non! Prends-moi pas ton truc, ton torchon, il est dégueulasse. 500 balles de teinturier. Oh, ça pue, mais c'est pas possible, et je pue. Donne-moi là, je vais la nettoyer à la maison. Oui, et tu vas nettoyer ça à la maison. Mais tu crois pas qu'on a fait assez pour aujourd'hui? Mais de toute façon, tu t'imagines que je suis venue dans les gens pour te poser, ma chère. Non, il y a le boss, il y a Fletcher qui va te voir dans son bureau. Qui, moi? Qui, moi? Allez, à vous tes fesses. Je vous l'amène. Restez, Isabelle, j'ai encore besoin de vous. Asseyez-vous, Christiane. Je vous ai fait appeler, Christiane, car j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. C'est fini pour vous, la poussière sur les écrans, l'aspirateur sur la moquette, l'encaustique sur les parquets, les traces de merde dans les WC. Envolé. Une promotion? Oui, oui. Mais quelle promotion? Celle de ne plus rien faire. Jamais. Les grandes vacances, quoi. Je ne comprends pas. Une nouvelle étape de votre vie s'ouvre à vous. Celle de la retraite. Quoi? La retraite, le troisième âge, la carte Vipo. Mais je n'ai même pas l'âge de la prépension. Quoi? Vous avez quel âge? 47 ans. Ah bon? Excusez-moi, mais vous paraissez tout de même beaucoup plus, hein. C'est pas grave, vous irez passer quelques années au chômage et hop, voilà. Mais je ne vais pas, j'ai faim de ce boulot. Christiane, ne faites pas l'enfant, s'il vous plaît. Mon mari est sans travail depuis 10 ans. Mes deux enfants sont aux études. Il y a les traites de la maison. Je suis la seule rentrée de la maison. Si je perds mon boulot, c'est la misère. Vous savez, tout le monde a ses petits tracas. Hein. Mais de toute façon, vous n'avez personne pour me remplacer et pour faire le ménage. Hein. Si, Isabelle. Quoi? C'est pas cette chose-là qui va me remplacer? Non, ça fait très bien l'affaire, au contraire. Pas cette grosse pute, quand même, hein? Non, mais Eva Stein, vous devez regarder Mimi. C'est pas un vagin qu'elle a, c'est un hall de gare. Hein. Mais si elle continue, moi je la fous une. Tout le monde est passé dessus, sauf le tram. Hein. Tiens, tout le monde est passé sauf le tram. Mais je veux t'en foutre une. Battez-vous comme des poufiasses. Ah, alors comme ça, je suis une pute. Maintenant, et dès que je suis une pute, tu vas voir. Ah, t'as peur de ça.
bande de chats. Ça va, Isabelle? Fais-moi ça. Ça, c'est pour la table. Maintenant, vous dégagez. Il y a des choses à faire. Venez, ma chère Isabelle. Je pense tout de même que je mérite une petite augmentation. Vous en méritez une très très grosse, Isabelle. Et quoi, tu sors avec moi, alors? Non, on l'a pris 3-4 fois, mais bof, pas terrible, hein. C'est pas très diplomate, hein. Diplomate? Mais j'en ai rien à foutre de cette pute. Enfin, moi, j'aurais essayé de m'entendre avec, hein. Viens là, c'est comme ça ton travail? La science est faite de patience et d'observation, mais aussi du silence, monsieur Perstekinski! La femme est une science en soi, professeur. La femme est une abomination! C'est l'être le plus abject qui soit! Elle ne vaut même pas la peine qu'on lui prête la moindre attention, ne serait-ce qu'une seule seconde. Prenez un progrès, puce. En regardant un cochon s'enroulant dans ses propres excréments qu'en parlant avec une femme. Mais comment définir une femme? C'est un trou avec des poils. Judicieuse remarque, monsieur Kinski, vous êtes proche du génie. Le prix Nobel vous est destiné. Berthe, je vous donne le dossier fixe 23. Prenez le temps d'y travailler. Nous en reparlerons. Mais rassurez-vous, l'expérience baiser du lotus est déjà en fonctionnement dans mon labo souterrain. Il faudra encore la tester sur un pot macabé. Il reste à vérifier les résultats de l'équation sur la réanimation. Si celle-ci s'avère correcte, nous y sommes presque. Et nous serons, d'ici très peu de temps, les scientifiques les plus connus de la planète. Que dis-je, de tout l'univers ! Sur moi, professeur. À demain. À demain. T'es à la bonne, cet enculé, hein? Peut-être. Non, mais je te confirme, hein. Mmh. Sinon, avec Laura, comment ça se passe? Tu mangeais avec elle ce soir au restaurant, et pourquoi tu me demandes ça? Parce que ça fait un moment que tu m'en parles plus. Non, mais il faut dire que là, je suis finalement en train de travailler ma musique. Tout l'hiver! Sinon, tu rentres avec moi ce soir? Putain, monte dans cette caisse, Chris. Bon, Chris, tu m'appelles si tu veux aller boire un verre. Je sais pas encore. Ok. Thank you.
Thank you.
qu'est-ce qu'ils foutent ces flics? Putain, y'a jamais personne qu'on a besoin de quelqu'un, quoi. Allô, Oli, c'est Chris. Tu plaisantes? Reste calme, Chris, s'il te plaît, reste calme. On l'emmène directement au labo. Putain, fais pas chier, hein! J'arrive. Ok, oui, je t'attends. Professeur, on est là, on est juste devant les grilles du labo. Merci. Allez à votre place. Monsieur Kinski, faites l'injection à la mère de Monsieur Burst, tout de suite. On n'aura pas une seule minute à perdre. Et alors, Monsieur Kinski, vous foutez de ma parole, hors de ma vue, dégoûtant personnage. Bon, on était. Ah oui, Burst, appuyez sur le grand bouton rouge. Quand je vous le dirai, surtout pas avant, sinon le cours de l'histoire pourrait changer du tout au tout. Baissez de la tête! Mm-hmm.
Putain, Chris, tu fais chier, je suis occupé là. Allez, avance, rentre. Jeu de merde. Chris, tu fais vraiment chier avec tous tes débarquements tempestifs, hein. Merde, mais qu'est-ce que tu as encore fait à ton bras? Mais c'est dégueulasse, Chris, hein. T'es vraiment une petite pourriture de merde. Qu'est-ce que tu as fait, là? Tu vas m'en foutre partout, en plus. Explosion. Quoi, une explosion? Une explosion, là? Heureusement, j'ai encore mon petit chien. Comme il va, le petit chien. Quoi? La coque, quoi, la coque? Elle est là, la coque. Tu sais, Chris, putain. Elle est toujours dans le tiroir. Mais va la chercher toi-même, bordel de merde. Tu fais chier, va la chercher toi-même. Mon Dieu, tu vas. Hein, Chloé? C'est chiant, hein? Mon Dieu, tu avances un peu, là. T'es vraiment un handicapé de cul, toi, hein? Mon Dieu. Mon Dieu, mais pousse-toi un peu, là. Pousse-toi, merde. Faire une latte. Va un peu te calmer. Va comme killer, tu vas mourir comme ta mère. Vous êtes le nouveau Dieu. Pousse-toi un peu. Renifle-moi ça, Chris. C'est ma petite culotte de nuit. Tu as mon odeur corporelle? Putain, putain, Chris, mon tapis, tu fais chier, là. Maintenant tu te casses, nom de Dieu, moi. Tu mets pas dans ma cabine, dans ma piole ici, hein. Va à l'hosto immédiatement, hein. Tu crois pas qu'ils vont me poser quelques questions embarrassantes et que je nous fous plein les nerfs? Ouais, t'as raison, tiens. Et t'avais pas un rendez-vous avec Laura tout à l'heure au restaurant? Mais tu peux pas aller comme ça, hein. Bah, ben, déjà, enfile-moi ça ou enfile, prends-moi ça. Et tu te casses maintenant, j'en ai marre de toi, Chris. J'en ai vraiment marre de toi. Casse-toi, là. Fais chier. Putain de merde. Tu as 30 minutes de retard. Qu'est-ce que tu racontes? Je peux même plus te croire, Chris. Puis toi, toi, toujours toi. Tu es complètement égocentrique et mégalomane. Quelqu'un m'a ouvert les yeux sur nous deux. Tu ne me manipuleras plus. Mais t'as pas un charlatan? Non, c'est un grand scientifique. C'est un homme qui me fait beaucoup de bien. Tu me dégoûtes. C'était notre dernier repas.
prime de fin d'année. Ah. En fait, c'est pas grave. Une naissance. Je dois être content de bébé. Allez, hop. Faut être con pour faire des bébés. Oh, de me faire. Qu'est-ce que je vois? Oh, un avis portuaire. Oh, chouette. Encore un décès. Enfin. On peut le regarder, ça, si jamais. Alors, oh, c'est 4. Aïe, aïe, aïe. Je vois. Là, je suis bien dur, t'as pas le C4. C'est normal, hein, c'est normal. Pour Madame Christiane Burke, de la part de Fraîcheur. Oh, on va encore bien s'amuser. Voilà, là, en plus, la femme du cours, en plus. Oh, on va remettre ça en place. Enfin, on va aller sur le même ouvert. Là, on va que tout le monde le sourd. Enfin, ah, ben, on y va. Oh, encore une carte, allez, voilà, mortel. Oh, il y a encore une autre en plus. Allez, on déchire, allez, mince. Allez, on va aller voir ça. Merde. Oh, c'est pas vrai, non, d'une pipe. Et en plus, ça cause de 7 con. Madame Burke. Qu'est-ce que je vois? Non, en plus, c'est la même adresse de cette conne, de cette tarée, et de le mari alcoolique. Enfin, son con! Ce con avait dit. On va faire traiter cette femme-là de con, c'est un tardé, hein! C'est toi qui me le dis! Allez, hop! Pas possible, une famille, une vie de chien, d'être facteur. Je me donne d'être boulanger, au moins je mange les petites pâtisseries. Puis d'aller chez une famille de cons. Enfin, c'est la vie que c'est comme ça. C'est pas trop tôt, hein, dis donc. J'ai un colis pour Monsieur Burke. Et c'est 50 euros pour payer les frais de livraison et pas de monnaie. Ça me fait chier, ça. C'est quoi? Encore un aspirateur à la con. Je me demande quelle arme d'outil qu'à osage et cet tas de ferraille. Mais c'est pour ma mère. Ben, c'est aussi moche que con, ça promet, hein. Et puis j'ai deux chats fouettés, hein. Et puis si on peut signer leur commandé, ça serait mieux. Mais c'est de la télé déjà ouverte. Je suis permis de l'ouvrir. Ça dit qu'une certaine madame Christiane Burke a été renvoyée des Deep Future Music. Et c'est signé à un certain monsieur Preacher, si ma mémoire est bonne. C'est illégal ce que vous faites. Mon travail, c'est d'apporter des nouvelles. Alors maintenant, vous me signez ça. Et ma parole, vous écrivez comme à la normale. Alors, votre 4 heures ferait mieux que ça. Connard. Pardon? Voilà pourquoi je ne sais pas écrire la main droite.
Ah, vous me faites mal. Bon, je peux avoir ce colis? C'est quoi ce bordel? Ce truc est complètement défoncé. Ah, ça c'est normal. À force de le secouer, c'est à vous de prendre la responsabilité. Vous êtes de ma gueule ou quoi? Je voudrais bien que c'est 50 euros. S'il vous plaît. Je vais aller les chercher. Suivez-moi le temps que je revienne. Ouais. Caldego. C'est votre maman là sur la photo. Ça doit être vieille. Elle va sûrement être morte maintenant, non? Monsieur! Monsieur! J'ai encore d'autres clients à faire, hein, monsieur, j'ai pas le temps, hein! Monsieur! Monsieur! Nom d'un pipe! Allez, dépêchez-vous, hein, j'arrive, hein! Monsieur! Où êtes-vous? Monsieur! Où êtes-vous? Monsieur! Où êtes-vous? M'abuse en fait, j'ai rendez-vous pour midi. Oui, bon, c'est pourquoi? Pour une présentation d'une démo. Fouillez-vous aussi, ça va vous faire. Merci. Passez-les-vous. Merci.
Donc vous êtes musicien? Je suis plutôt dans la musique électronique, donc... Mais j'aime pas trop parler de ça. Y'a pas moyen de vous faire écouter ça directement. Vous n'avez vraiment pas l'air d'être sûr de vous, hein? Petite latte? Non, non, non. Je suis plutôt anti-drogue. J'aurais pourtant juré que vous aimiez ça. Vous. Pourquoi? Vous avez la tête à ça. Je vais être franc avec vous, vous ne m'inspirez pas confiance. Puis combien même vous n'êtes pas un physique vendeur. C'est un très mauvais départ, ça. Mais les mauvais départs ne font pas forcément les mauvaises arrivées. Ouais, peut-être. Enfin, vous avez une chaîne ici? Oui, il y a une chaîne là-bas, allez-y. C'est pas le style de la maison, ça. J'aime bien les belles grosses salopes en string qui m'entrent plus à tout bout de champ. On est loin du compte. Mais ça vous donne pas les notes. Les notes, on s'en fout si ça rapporte. Du fric, du sexe... Ah, un point pour vous. Finalement, vous n'êtes pas si stupide que ça. Hein. Bon, j'ai passé à vous. C'est bientôt fini. Mais écoutez quand même. On t'arrête, ton cirque. Mon cirque. Maintenant, je vais te finir en beauté. Comment est-ce qu'on peut avoir de la merde pareille, quoi? Voilà. Ah, quelque chose un peu plus crédible pour toi. Néanmoins, notre bon aubergiste du sanglier maudit a quelque chose à la maniguette qui n'a rien pour me déplaire. Moi, ça devient la framboise. La porte, maniguette, framboise, pourvu qu'on soit tout. Vous avez bien raison. Yeah!
cactus des cas. Il avait crevé. Je vois ça périr. Et toi, ce n'est pas pour moi ton aspirateur à la con. Tu devrais la retrouver, hein, ça fait du bien. Tu vas donner un aspirateur comme ça. C'est un périr, hein, ça me bidonne, hein. Je ne prétends pas, hein. Tu prétends, c'est ta tombe, tout ça. Ouais, ça fait plaisir. Je vais devoir crever bientôt. Tu seras danse avec elle au paradis de diable. Comme tu es effrayant, mais tout de même je t'ai reconnu. Qu'as-tu fait à tes cheveux? T'as bouffé une tablette de TNT? Ma mère est morte. Morte de peur en te voyant, Chris. C'est déjà la 10e fois qu'elle est morte. Regarde. Ben, regarde, ça existe. Écoute. Écoutez quoi? Il y a rien du tout, Chris. Écoute bien. Rendez notre hôte, ça te fera du bien. C'est bon pour la santé. Dites, quand il fait signe scoto winhat, il prima ma quiem proxy. Hé, petit! Le chauffeur! Reviens, petit! Chauffer. Allez, viens! Viens te mettre à côté du feu. Tu entends ça? Ça, c'est la vermine d'aujourd'hui. De la merde! D'ailleurs, il faudra trouver quelqu'un pour exterminer ces vermines. Chris. Tu dois venger ta mère. Inspiration. Expiration. Il y a les signes. C'est un aspirateur que t'as au bras. Hé, hey, petit. Ça va pas là? Oh. Inspiration. Les petits cons, on va te faire un nettoyage en profondeur, hein. Bande de vermines, c'est moi ici. Oh, quelle merde. C'est quoi ça? Ah, mais c'est pas dans ton front que t'as fait, c'est dans ton bonnet. Ah, connard. Tu dois continuer ton travail.
just beaming in for an hour. C'est la marque que j'ai ramenée, c'est moi qui dois encore payer les pots cassés. C'est pas possible tout ça. Oh là 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 là. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est Vacuum Killer. Qu'est-ce que tu fais ici? Parti. Qui va passer le courrier? Va parti, c'est de moi ici. Monsieur Emma. C'est de moi. Parti. Parti. Un peu plus calme, monsieur Burke, respectez-moi! Allez! Va! Parti! Parti! Doucement! Gott verdamme! Ah!